Salut tout le monde, c'est Romain, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Nation et aujourd'hui on va parler bien évidemment de Battlefield 2042. Je profite donc que cette vidéo soit en train de charger pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner, lâcher un like et mettre un commentaire pour donner votre avis à propos de la saison 3 de Battlefield 2042 et également pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos meilleurs clips sur Battlefield 2042 à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Le 22 novembre est donc sortie la saison 3 de Battlefield 2042, Escalation ou Crescendo en français. Le nom français on le mettra de côté, on va garder le nom anglais. Donc la saison Escalation est sortie avec de bonnes choses et de moins bonnes choses. On va les détailler aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis à propos de cette nouvelle carte que en majeure partie j'adore. Et surtout mon avis à propos des nouvelles armes. Je n'ai pas pu toutes les essayer, mais j'ai principalement pu tester le Rorsch MK4, qui est pour moi une calamité. Mais on va détailler ça tout de suite. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas Battlefield 2042 et que vous souhaitez le tester, des périodes d'essai gratuites sur toutes les plateformes auront lieu, sur Xbox du 1er au 4 décembre, sur Steam du 1er au 5 décembre et sur PlayStation du 16 au 23 décembre. Alors n'hésitez pas à essayer Battlefield 2042 car oui, un an après sa sortie, ce jeu vaut le coup. Maintenant, passons au vif du sujet, ce qui vous intéresse et ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de la saison 3 de Battlefield 2042? On va d'abord commencer par mon avis à propos de cette carte Spearhead, fer de lance. Tout simplement, je trouve cette carte plus Battlefield que n'importe quelle carte actuellement sur Battlefield 2042. Sans compter les reworks de Orbital et de Kaleidoscope qui sont bien meilleurs, je trouve que fer de lance est la meilleure carte de Battlefield 2042. Je sais que mon avis ne fera pas l'unanimité au sein des joueurs Battlefield, mais je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. En tant que joueur infanterie, bon gros rusher et backstabber professionnel, personnellement, j'adore cette carte. Les deux bâtiments nous offrent du combat en zone urbaine qui est plutôt agréable et même plutôt cool à jouer. Vous avez pu voir les enchaînements à l'arbalète au début de cette vidéo. J'ai également fait de très bonnes games avec des PM et c'est très appréciable. Il y a également un petit peu de découvert pour les joueurs un peu plus sniper et un peu plus véhicule, mais personnellement j'ai très peu subi les véhicules sur cette carte. J'ai pu enfin jouer à la manière d'un Battlefield 5 entre autres, parce que cette carte me fait penser à Aerodrome. Me demandez pas pourquoi, mais j'adore cette carte. Il y a un truc, il y a plein de couloirs, il y a des possibilités de contournement par les falaises, par les bords de map. Il y a vraiment ce petit truc qui fait que Battlefield 2042 a enfin trouvé son identité. Également, les toits des bâtiments sont campables, mais pas trop, parce que c'est un peu compliqué d'aller se mettre sur les rebords pour essayer de sniper. Donc, les toits sont plutôt utiles à la rigueur pour faire de la défense anti-aérienne si vous jouez Lys ou alors avec un personnage comme Rao pour pirater et faire de l'anti-air. Mais sinon, à part ça, les toits ne sont pas spécialement campables de manière réellement abusée. Alors bien évidemment, il y a un petit peu d'open field, je pense surtout au point E2 et D1, donc entre les deux, pour se déplacer, c'est assez compliqué. Mais en réalité, il y a quand même pas mal de variations sur le terrain, il y a quand même pas mal de creux, de collines, et donc on peut se déplacer tout en évitant les lignes pour les snipers, et donc pour un joueur infanterie, c'est plutôt appréciable. Je trouve que le fait d'avoir mis cette carte en long est une très bonne idée, parce que cela crée vraiment une ligne de front, et les combats se concentrent vraiment sur des points bien précis. C'est la guerre à toutes les parties entre C1 et C2. Et bon Dieu que c'est appréciable. Personnellement, j'ai passé, on va dire maintenant, une quinzaine d'heures sur la carte à jouer. Et j'ai fait que des bonnes games. Alors bien évidemment, des fois je me troue, hein, ça arrive. Mais mis à part ça, les games sont relativement cool. En plus, il y a pas mal de nouveaux joueurs sur cette saison 3. Et ça joue vraiment teamplay, pas mal de réanimation. Pas mal de logistique, les mecs donnent les munitions facilement, enfin, il y a ce truc qui est revenu, j'ai l'impression, alors je sais pas pourquoi, j'ai cette impression plus sur cette carte que sur les autres. Exposition était une très bonne map, mais à mes yeux, pas assez Battlefield. Elle était Battlefield 2042, map tiers, sans problème, c'était la meilleure à l'époque où elle est sortie, donc à la saison 1. Stranded et Schumann, pour moi, c'est une carte horrible. Voilà, je trouvais ça complètement idiot. L'histoire du bateau au milieu et qui, enfin voilà, et la carte était vraiment très compliquée à jouer quand tu voulais faire que de l'infanterie. Parce qu'à part rester dans le bateau, tu pouvais rien faire.
Et bon, bah, Battlefield, c'est aussi se déplacer, et c'est pas juste rester dans trois pauvres couloirs. Donc non, cette carte a vraiment le juste milieu. Il y a vraiment quelque chose. Et moi, je vous conseille de l'essayer. Je vous conseille de réinstaller Battlefield 2042 sur cette vidéo. Et je le dis très sincèrement. J'ai su cracher sur Battlefield 2042 quand il fallait le faire. Quand il a fallu remonter les problèmes de ce jeu. Et là, pour le coup, le début de cette saison 3 est plutôt réussi. On a des améliorations de performance. Personnellement, bon là, j'ai eu un changement de processeur. Mais je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Le jeu est beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau. On voit que les équipes de DICE commencent à maîtriser réellement le moteur graphique de ce Battlefield 2042, et ça c'est appréciable parce qu'on peut enfin jouer. Au niveau de la balance des véhicules et de l'infanterie sur cette carte, pour y revenir, je trouve que c'est plutôt cool parce que, alors certes, les tanks peuvent relativement bien sniper l'infanterie et d'assez loin. Le fait qu'il y ait des variations sur le terrain, qu'il y ait des dépressions, que voilà, il y ait plusieurs choses pour se cacher, et vraiment que l'environnement est complet et pas des cartes vides comme on a pu avoir au début de Battlefield 2042. Ça fait qu'on peut contourner facilement les chars pour aller les détruire, pour voilà, juste l'éviter parce que vous voulez pas le jouer, pas faire d'anti-véhicule. Non, sincèrement, essayez cette carte. J'ai pas non plus trop l'envie que cette vidéo s'éternise, donc maintenant on va parler un petit peu des choses qui fâchent. Le Rorsch MK4 est une arme inutile. C'est l'une des seules armes que j'ai pu tester de cette saison 3. Le Rorsch MK4 est pour moi une calamité. C'est peut-être juste parce que ça ne correspond pas du tout à mon style de jeu. Je vous laisserai bien évidemment vous faire votre propre avis vis-à-vis de cette arme qui possède seulement 3 réglages. Donc un peu comme la BSVM à l'époque où elle est sortie, vous pouvez l'utiliser comme un fusil sniper, donc avec ce fameux temps de rechargement. Également l'utiliser en rafale ou bien en automatique. Mais comme elle n'a pas beaucoup de balles dans le chargeur, c'est un petit peu useless. Je vous ai mis quelques images sur l'écran où je joue avec la Rorsch MK4, mais honnêtement, j'y ai très peu joué parce que j'ai pas du tout aimé, ça correspond pas à mon style de jeu. Alors bien évidemment, je ne cracherai pas sur les gens qui vont jouer avec, je peux comprendre que certains aient envie d'y jouer si ça correspond à leur style de jeu, mais ça n'est pas le mien, donc bon courage à toutes les personnes qui vont essayer de le monter palier 1, je te salue mon petit squal. Je vais également parler un petit peu du pass de combat, que je trouve meilleur que les précédents, mais pas parfait encore. Il manque un petit peu de visuel vraiment sympathique et de camouflage universel, mais on tend vers le mieux. Il y a des bonus de double XP au sein du Battle Pass, etc. Donc je pense que sur cette saison, comme je vais sécher cette map que j'apprécie énormément, je risque d'aller au bout du pass de combat. Également, il ne faut pas l'oublier, on a déjà eu des changements sur les maps Kaleidoscope, Renouveau et Orbital, mais c'est pas fini dans la saison 3. Dans les prochaines mises à jour, nous aurons Manifeste et Fracture qui vont changer. Et ça, ça fait plaisir. Ils vont redesign certains points et retirer certains points d'intérêt inutiles pour recréer plus de focus sur les objectifs importants et augmenter la visibilité. Par exemple, sur Fracture, la plateforme pétrolière sera déplacée et il y aura des nouveaux tunnels de créer. Je vous mets les images sur votre écran actuellement. On va dire qu'il se rapproche un peu plus d'un style que la communauté souhaitait. Donc vraiment un combat vraiment, vraiment intense, donc rapprocher les objectifs des uns des autres, donc moins d'open field pour augmenter les possibilités de déplacement, et ça, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, c'était Romain pour une vidéo assez longue sur la saison 3 et juste à propos de la map et des quelques armes que j'ai pu tester de la saison 3 de Battlefield 2042. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, comme j'ai dit au début de la vidéo, un petit like et à vous abonner. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant Noël et ce serait un très beau cadeau pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye, peace.